Bonjour. Vendredi, on a fait une petite masterclass autour de la réalisation et à la fin, je vous ai donné un exercice avec un texte très nul et très simple, mais juste pour voir un peu comment chacun le visualise et ce que vous pourriez faire avec. Donc aujourd'hui, je propose de commencer par ça. On va regarder un peu ce que chacun a fait. Venez avec moi, let's go. Du coup, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah déjà, on n'a pas respecté la charte. C'est-à-dire? On ne sait pas qu'on est dans la maison. Ça, c'est bonus, mais c'est pas trop grave. La deuxième chose qui ne va pas, c'est le son. En fait, on a filmé la majorité des premiers sons, des premiers plans, sans allumer le micro de la cam. Ouais, et du coup, on a refilmé jusqu'au début. Mais en fait, ça aurait été cool si sur la musique, on entendait genre des bruits de respiration un peu plus poursuivie, ouais, tous les pas dans les escaliers, ouais. Ça aurait rajouté d'aller plus loin dans le travail. En fait. Pour moi, il y a un truc avant ça qui ne va pas. C'est qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas plus de canettes dans le frigo. Ça va trop vite. C'est en narration. Après, il y a des effets de cam, il y a une musique, etc. C'est cool. Mais c'est vrai que juste si on voit juste la narration, le fait qu'on ne voit pas qu'on est dans le grand château, etc., c'est pas trop grave. Mais le plus important, c'est qu'en effet, on ne comprend pas le duel de regard. Le duel de regard, juste après, il marche bien. Mais juste avant, on n'a pas vu que le frigo était vide et que vous aviez le seum. Et ça, on le sent pas assez. Moi, le deuxième truc, je me suis dit, c'est dommage d'utiliser la même musique du début à la fin parce qu'on a un duel de regard, donc ça, il peut y avoir un style de musique pour ce duel de regard. Et on a une course-poursuite, il peut y avoir une autre musique. En fait, la première, ça peut être plus de la tension, suspense pour le duel de regard. Et la deuxième, c'est plus un truc un peu plus vénère, etc. Et là, comme on a un truc, ça fait un peu lisse, un peu monotone. Surtout qu'après, tu la retrouves, donc c'était pas mal de la perdre sur une autre musique et de la retrouver un peu après pour le gimmick, pour boucler la boucle. Voilà. Ok. Alors. Ah, je trouve ça très bien, le choix des musiques, les bruitages. Vous avez même rajouté en plus des sound effects à base de la respiration forte, etc. Donc ça marche bien. Non, j'ai trouvé ça bien. Je sais pas si vous avez des trucs. Ça, c'est un plan de jour. Ouais, on est d'accord, c'est une nuit américaine. Ça. Ouais, ouais. Et là, il faut raccord parce qu'il n'y avait pas de lumière. Tout le monde sait ce que c'est une nuit américaine ou. Oui, c'est bleu. Ok, avec le numérique, la sensibilité des caméras s'est vraiment améliorée. Donc maintenant, on peut filmer de nuit et avoir beaucoup de luminosité à l'image. Et en fait, à l'époque, mais là on parle des années 60, 70, 50, je sais pas, ça n'était pas encore possible. Donc ils avaient une technique, c'est qu'ils filmaient en plein jour et après, ils passaient l'image
avec un filtre bleu pour donner un effet nuit. Et en fait, il fallait filmer, en gros, au moment où il y a moins d'ombre à l'image. Parce qu'évidemment, si tu donnes un filtre un peu bleuté, que tu baisses la lumière, etc., et que tu as une grosse ombre du soleil qui arrive sur le visage, ça n'est pas logique. Voilà, donc ça, c'est une belle nuit américaine. Ça marche. Là, il y a le même truc que le premier, on ne voit pas ce qu'il y a dans le frigo, enfin ce qu'il n'y a pas dans le frigo, je crois que ça va trop vite. Après, la vanne du baby-foot, moi je suis assez fan, mais j'aime bien quand les vannes... Bon, après, là, c'est pour le coup, c'est l'écriture limite. J'aurais fait jouer autour, juste caler un but et repartir comme si de rien n'était. En écriture, je trouve que c'est encore plus drôle quand tu n'insistes pas sur le gag, quand il ne tombe pas dans la surenchère. C'est reparti. Oui. Bravo. Ça marche bien. Il y a le problème encore du frigo, on voit pas qu'il est vide. Par contre, ce qui marche bien aussi, c'est les différentes musiques. La première, la petite musique, ça s'appelle, c'est du pizzicato. Des petites musiques, petites notes comme ça, juste pour installer une petite ambiance en mode bon enfant, etc. Ensuite, on a une musique spéciale pour le duel, une musique spéciale pour la course-poursuite. Et donc, toute cette musique, ça donne du rythme et ça aide à la narration, en fait. Donc ça, je trouve ça assez cool. En plus, sur pas mal de plans, vous respectez le gauche-droite ou droite-gauche, etc. Vous le perdez à certains moments, mais c'est pas trop grave parce qu'on l'a bien installé. Donc on peut se permettre de ne plus respecter le truc. Non, je trouve que ça marche assez bien. Bravo. Cool. Ça marche bien, il y a toujours la petite erreur du on ne voit pas que le frigo est vide. Le final part un peu vite, mais je pense que ça c'est parce que vous deviez aller vite. Mais sinon il y a plein d'idées, il y a des plans qui sont très intéressants. L'avantage de rajouter des bandes noires, c'est que tu peux recadrer normalement toi-même. Ok, je lance le dernier.
Très très bien. Moi, il y a un seul truc que je trouve à redire, parce que ça reste très cool, c'est très très cool. C'est juste le choix de la musique sur la course poursuite, je l'aurais vu un peu plus vénère. Mais sinon, c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment honte de ce que vous allez voir après. Alors ce qui est drôle, c'est que vous, toutes vos vidéos durent à peu près une minute. Moi, comme j'ai vraiment fait le flemmard, je voulais juste mettre... En fait, j'avais les plans en tête, j'ai juste mis les plans à la suite. Je crois que mon truc fait 30 secondes, il est ultra rapide. La course poursuite, je crois que j'ai fait 3 plans. On a couru dans le couloir de manière speed. Ok. Moi, il y a plein de trucs qui me vont pas. Le duel de regard, j'aurais dû le tourner au ralenti pour vraiment insister un peu plus. J'aurais dû mettre plus de plans pour la course poursuite. Ma balance des couleurs, elle est dégueulasse. Le premier plan, il est tout orange. Mais j'ai essayé de mettre plein de petites techniques. Par exemple, il y a une technique toute con qu'on a fait. Le plan sur le visage quand elle court, c'est juste elle qui tient la caméra comme ça. Et ça marche toujours, en fait. Tu dis juste à la personne, cours pendant 30 secondes. Il y aura toujours 2 secondes qui vont marcher. Donc, c'est ce que je prends. Ben, on va parler montage maintenant. Alors, je vais vous expliquer moi les différentes étapes que j'ai, ben, comme ça vous voyez mes notes. Avant, j'étais tellement speed et j'avais tellement envie de voir ce que j'avais filmé que je n'organisais rien du tout. Et en effet, on commence direct dans le montage, dans le dur, donc c'est cool. Mais dès que tu as envie de faire des modifs après, dès que tu as une galère le lendemain ou des trucs, c'est une tannée de revenir en arrière. Donc maintenant, j'ai appris à organiser mon dossier. Donc en fait, je l'organise comme ça. Et rien qu'en organisant ça, moi c'est un dossier que je me suis fait, c'est un modèle et je le copie-colle à chaque nouveau projet. Le fait d'avoir un dossier vraiment propre par projet, ça me permet par exemple si sur un montage 2 mois plus tard d'une autre vidéo, je me dis putain j'avais bien aimé le son que j'avais utilisé, l'effet que j'avais utilisé, etc. Je retrouve tout facilement. Et ce truc-là, j'essaie de le recréer dans mon projet première. Je rajoute juste séquence parce que là ça me permet en fait d'avoir en gros, j'ai une grosse séquence de dérush, une grosse séquence que j'appelle le master sur lequel je monte. Et à chaque fois que je vais faire une modification où je ne suis pas sûr de moi, je vais dupliquer mon master et je vais faire ce qu'on appelle la V1, la V2, la V3, etc. Et donc, comme ça, je peux tout mettre V1, V2, V3, V4 jusqu'à la VDF en séquence ici. Comme ça, si dans 3 séquences, je me rends compte que je préférais quand j'avais monté sur la V2, je vais la récupérer, etc. Je ne jette jamais rien, c'est très important. Après, pour la partie des rushers, ça, je vais pouvoir... À la limite, je vais vous montrer le projet de la vidéo que j'ai monté. En fait, je prends tous mes rushs, je fais le in-out. Donc, je prends juste la partie qui m'intéresse. Toute la partie avant le action, je m'en fous. Toute la partie après le coupé, je m'en fous. Je prends juste la partie action, je la mets sur la première ligne. Et après, je mets sur la deuxième ligne les plans qui m'intéressent. Comme ça, quand je crée ma séquence master, j'ai juste à copier-coller la deuxième ligne. Et j'ai déjà l'ours. L'ours, c'est la première version de votre montage. Donc là déjà je vais assez vite. Et cette technique, ce qui est pratique, c'est que quand je me rends compte qu'il y a un plan qui ne marche pas, plutôt que d'aller dans les rushs, de me refaire un dérush, etc., j'ai déjà tous les blocs. Je sais déjà laquelle j'ai sélectionné, je sais déjà laquelle je peux prendre. Donc après le dérush, on a vu, on prend la ligne 2, on la copie-colle et on commence le truc. Et en fait la musique pour moi, alors après chacun sa façon de faire, mais je me base énormément sur la musique. En fait, une fois que vous avez la bonne musique et que vous avez déjà votre dérush, tout va super vite, ça se cale avec les rythmes, etc. Les bruitages, c'est le truc super important. J'essaye en fait d'avoir par bloc, en gros je fais les premières lignes, ça va être tout ce qui est le son in, le son qui est de la caméra. La deuxième ligne, après les lignes, vous les mettez dans le sens que vous voulez, mais comme ça je regroupe. Ça va être tout ce qui est musique. Ensuite là, ça va être tout ce qui est ambiance. Là, ça va être tout ce qui est sound design, c'est les gros whoosh, etc. Et là, ça va être tous les petits sound effects. Et ça pareil, c'est de l'organisation. Ça peut être chiant, mais mine de rien, ça va beaucoup plus vite. Si par moment vous voulez prendre un énorme bloc, le déplacer, etc. Et surtout quand vous allez arriver au moment du mix, avant de faire votre export, il faut faire le passage un peu obligatoire pour être sûr que ça ne tape pas dans le rouge. Et pour ça, bah vous allez faire un mix. Alors, quand vous avez bien organisé, au moment où vous passez à la partie mix, tout est tout de suite plus pratique parce que vous commencez à entendre, vous dites putain, ça sature, ça crache. Qu'est-ce que je peux baisser? Je vais baisser un peu la musique, je vais baisser un peu le sound design. Et là, vous vous y retrouvez beaucoup plus facilement. Pour les bruitages, il y a, là, c'est que des trucs gratuits.
Mais voilà, BBC Sound Effect, c'est en anglais et vous avez 16 000 sons que vous pouvez retrouver. Universal Sound Bank, ça peut être français, vous pouvez taper des mots en français, mais si vous le tapez en anglais, vous aurez plus de facilité à trouver. Et après, YouTube, c'est la dernière possibilité, c'est vous tapez le truc que vous cherchez, Sound FX. Ça, c'est les techniques gratuites. Après, il y a plein de packs payants que vous pouvez trouver. Ça s'appelle des packs SFX, Sound FX. Et là, vous pouvez trouver un pack spécial voiture, un pack spécial sport, un pack spécial background, tout ce qui est ambiance, etc. Les FX, il y a un site qui est vachement bien. Il faudrait que j'arrive à vous le retrouver. Mais peut-être que certains connaissent, qui s'appelle... C'est le premier. En fait, celui-ci, c'est un site où vous pouvez acheter des effets spéciaux tout faits avec le projet After, et vous n'avez quelquefois même pas besoin de connaître After Effects pour pouvoir l'utiliser. Quelquefois, vous avez juste à changer, par exemple, si c'est un preset que vous achetez d'un générique, vous avez juste à changer les noms, et c'est dedans. En étalonnage, la partie intéressante, il y a deux façons de faire. En fait, sur... alors moi, le premier truc que j'avais utilisé, c'était Magic Bullet Looks, qui est un petit plugin qui s'installe, je crois, sur Final, sur Premiere, etc. Et c'est un truc où tu l'ajoutes sur ton brush et il te propose 40, 50, 60 looks différents. Un truc un peu bleu, un peu dark, un truc un peu plus épuré, un peu plus... Enfin, il y a plein de trucs différents. Et après, l'autre technique, c'est les luttes. Les luttes, c'est comme des... C'est comme des filtres sur Insta, en fait. Voilà, là, vous avez tous les exemples. Ah, c'est énorme, ça. Bah, ça, c'est des luttes qui sont parfaitement accessibles. Dans les ratios, là par exemple j'ai fait le truc basique du je n'ai pas de moyens mais j'ai envie que ça fasse cinéma, je rajoute des bandes noires. Les différents ratios au cinéma, en vidéo ou autre, bon après maintenant il y a Insta donc c'est encore plus différent, mais avant c'était, il y avait le 4 tiers, maintenant c'est le 16 neuvième et au cinéma on a le scope. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple dans ce qu'on a fait, on a hésité à mettre les sons qu'on avait tournés, ouais. Ou pas du tout les mettre, ou genre un peu les baisser, c'est quoi le mieux que ça dépend. Bah, en fait, quand on est en tournage, on fait ce qu'on appelle des sons seuls, c'est-à-dire que quand tu enregistres une scène, tu enregistres les acteurs, etc. Et après, une fois que tout est fini, il va y avoir l'ingé son qui va aller récupérer chaque son, c'est-à-dire qu'il va faire ça, tac, il va faire toutes les... Toutes, quand un mec marche, il va demander spécialement qu'un mec marche, etc. Il fait que des sons seuls, parce que le son se recrée totalement en post-prod. En général, ce qu'on garde du tournage en son, c'est juste la voix des acteurs. Et après, on va rajouter, on rajoute tout. C'est-à-dire que quand vous voyez un plan d'un mec qui marche en pleine campagne et qui est à 20 mètres de la caméra, tu entends ces bruits. Ça, c'est juste impossible. Mais en fait, ça habille énormément. T'as déjà travaillé avec des compositeurs ou Ouais. De deux types différents. J'ai travaillé avec un compositeur pour du son plus orchestral quand j'étais parti... avec Natou, Mr. V et Jérôme Jarre au Bangladesh, on avait fait une vidéo et j'ai un gars qui a composé des sons à partir d'un chant des Rohingyas. Et avec aussi un gars qui compose de la trap, qui faisait d'ailleurs tous les sons de Bref. Donc si vous avez des potes qui composent, etc., bah, c'est encore plus cool quoi, parce que du coup... Ouais, d'abord on t'envoie, après tu fais le son. Ouais, en fait, il y a différentes manières de faire en fait. C'est soit tu utilises des musiques déjà toutes faites, et moi pour le moment je me base là-dessus, parce que j'ai pas le temps de faire une musique en fonction de mon montage. C'est... En fait, moi, je me suis habitué à ça. C'est depuis toujours, j'ai toujours d'abord eu la musique et après fait le montage dessus. Jamais fait le montage et la musique après. Donc, comme moi, je me base énormément sur la musique, j'ai besoin de la musique dès le début, avant même d'avoir commencé mon montage. Mais il y en a qui font différemment. Il y en a qui montent d'abord leur truc et qui après vont voir un compositeur et disent « Là, j'ai envie que ce soit un peu doux, là, qu'il y ait une montée, un crescendo, etc. » Voilà. Bah, c'est une fin de masterclass, du coup. C'est plutôt bien.